Eh bien, les amis, je suis dans mon futur ancien bureau, dans mon appartement. Et je voulais vous montrer cette installation parce que je ne vais plus pouvoir en profiter prochainement. J'ai là une table haute avec un bureau que je peux monter et descendre. Et en fait, ça me permet une chose. Voilà. Ça me permet de porter ma fille Yuki ici. Je crois que Yuki. Attends. Maëna, j'ai Anaë ou Naoline sur moi? Ok, j'ai Anaë sur moi. Et parce que si je suis assis, je peux pas travailler. Donc d'une, travailler avec une table haute, c'est cool. Parce que ça vous permet de travailler debout, c'est bon pour la circulation sanguine. Et puis de deux, bah voilà, si vous avez un bébé, ça vous permet de travailler debout. Pourquoi je voulais vous montrer ça? Trop souvent, on n'est pas assez créatif pour trouver des solutions face à des difficultés. Et j'aimerais vous encourager à trouver des solutions. C'est-à-dire, avoir un bébé, c'est pas une excuse pour pas lancer son business, par exemple. C'est juste qu'il va falloir faire des choses autrement. Plutôt que de travailler devant l'ordinateur, va falloir peut-être plus travailler sur son téléphone. Alors, moi, j'ai pas toujours un bébé sur moi, surtout que j'ai des coachings où je peux pas le faire. Alors, je dis ça, mais en réalité, j'ai animé une session mastermind avec des clients et je me suis permis de le faire parce que je suis très proche avec eux et quand elle a commencé à pleurer, je l'ai réamenée dans le salon pour que mon épouse s'en occupe. Donc voilà, je voulais surtout vous encourager à être créatif, à chercher des solutions qui vous permettent de travailler même quand vous avez un bébé et qui pleure et qui veut dormir. Voilà, c'était tout simplement ce que je voulais vous partager. Et puis bah, en commentaire, allez-y, si vous avez des idées, des suggestions de choses que vous faites, que vous voulez partager, bah, je serais ravi de vous lire en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour vous montrer le futur bureau. Allez, je vous tease un petit peu. C'est top de travailler ici, je kiffe, je suis proche de la famille, mais je me suis rendu compte inconsciemment qu'à chaque fois qu'un bébé pleure, bah, ça m'affectait en fait, et que j'étais pas au top. Et voilà, on a trouvé une manière de s'organiser avec mon épouse parce que c'est compliqué. Donc cette chambre-là va devenir la chambre des filles. Et puis bah, moi, je vais aller dans un espace de coworking qui vient d'ouvrir à Obernai. Et allez, qu'est-ce que je vous tease? Ce que je peux vous teaser, c'est que c'est une nouvelle approche du coworking que je vais avoir et j'ai hâte de vous en dire un peu plus. Ciao, ciao!